Nous sommes le 22 mai 1780. Nous allons rencontrer un personnage, le sieur Gaétier. Ce sieur Gaétier arrive au Mans muni d'un brevet de monsieur frère du roi. En effet, le sieur Gaétier a fait des études de serrurier hernière. Hernière venant de hernie. Et il est breveté, donc ses compétences sont reconnues, et il veut s'installer au Mans. Or, pour s'installer au Mans, il y a des us et coutumes qui viennent des corporations de métiers. Et il faut déposer ses compétences, la preuve de ses compétences, donc le brevet en l'occurrence, auprès du greffe de police. Monsieur Gaétier, bien entendu, se soumet aux règles d'usage, dépose son brevet et va ainsi pouvoir obtenir le droit de fabriquer et de vendre. Alors que fait-il, serrurier hernière? Eh bien, il fait des bandages élastiques qui sont utilisés tout simplement pour, sinon guérir, mais du moins soulager de la présence de hernie et puis de descente d'organes, et descente d'organes des deux sexes. Alors, M. Gaétier, qui, au dernier cri de la mode, au dernier cri des connaissances scientifiques, bien entendu, précise que grâce à ces bandages, on pourra marcher sans aucune gêne, monter à cheval le plus aisément possible, et même faire des efforts violents. Mais il faut penser à tout le monde. C'est pas parce qu'il est au Mans qu'il va soigner que les habitants du Mans. Les étrangers ont aussi le droit d'être soignés. Peut-être qu'une précision s'impose. Quand on parle d'étrangers, ça ne veut pas dire ceux qui sont au-delà de nos frontières, pas du tout. Ça veut dire tout simplement ceux qui habitent en dehors de la ville du Mans. Alors pour cela, oh, c'est simple. Ils fourniront la taille de leur corps, mais debout. Et puis, le côté où se situe les hernies. Et enfin, la grosseur de cette hernie. Et puis, ils l'enverront par courrier à M. Gaétier. Simplement, un petit détail, on est prié d'affranchir la lettre. Alors, si vous êtes convaincu de l'intérêt de ces bandages élastiques, vous savez à qui vous adressez. Eh bien, à la semaine prochaine pour une autre émission de Cet arrivé en Sarthe.